What's up guys, ici Kefren. Aujourd'hui je vous fais une petite ouverture du Elite Trainer Box que je viens tout juste de recevoir, le Chilling Rain, règne de glace pour ceux qui regardent ça en français. Donc ça c'est la version bien sûr anglaise. On a même reçu une deuxième boîte qui est l'autre finalement Elite Box, donc ça ressemble à ça. Donc aujourd'hui on va ouvrir la mauve. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. À la base je sais déjà qu'il y a 8 paquet. Voilà comme ça. On va enlever le couteau pour pas se couper. Donc ce qui devrait contenir à l'intérieur de la boîte, on le voit ici à l'arrière. Donc normalement il y a toujours des graphiques à l'intérieur quand vous l'ouvrez au complet. C'est quand même intéressant pour ceux qui aiment le art. On commence avec le manuel. Donc bien sûr le manuel avec toutes les Pokémon, toutes les cartes finalement disponibles dans le set, comme vous pouvez voir. Donc on a vraiment tout. Ça donne une indication quand même à l'utilisateur qui est moins au courant de qu'est-ce qui se passe avec le set, qu'est-ce qu'il peut trouver à l'intérieur, c'est quoi les secret rares, etc., etc. Donc voilà. On ouvre la boîte. Ça, c'est les règles du jeu Pokémon qui vient à l'intérieur. Rien à l'intérieur de ça. Les sleeves qui sont quand même intéressantes, qui sont belles. Donc, voici les sleeves. Pour ceux qui n'ont pas de sleeves, une carte ici. Jouez en ligne. Allez-y. Voici le code. Donc ici on a les séparateurs pour quand on veut garder notre boîte finalement puis on veut classer. Des cartes énergie, un set complet. Nos deux jetons. Et nos dés de couleur mauve. Voilà pour le set. Donc 8 paquets. Chilling Rain. On va commencer à ouvrir ça, voir qu'est-ce que ça donne. Premier petit paquet. On espère avoir des bons pics. On a eu un bon départ l'autre fois avec la Booster Box. Donc, en espérant d'avoir des bonnes cartes. Donc, on commence. Énergie. Agatha. Scroll of the Sky. Danatrill. Squirrelfish. Slowpoke. Weedle. Clobopus. Mareep. C'est ma dernière. Ok, je pensais que c'était la dernière. Une Reverse Holo Passimian. Et clic Léon. On va mettre ça de côté. Prochain paquet. On ouvre ça comme ça. Les 4 cartes. Energy. Raboot. Agatha encore. Kubu. Inkey. Diglett. Scorbunny, Choupette, Reverse Galarian Slowking et une Holo Weavile. On va avoir besoin de sleeve ici. Donc une petite sleeve ultra pro pour notre cap. Prochain paquet. Energy, Clara, Brawly, désolé, Squirrelis, Weedle, Farfetch, Castform, Larvesta, Reverse Holo Welcoming Lantern et une Holo Zarude. Ça ici, ça ressemble à ça. On est sûr d'avoir des plus gros pics que des holos là. Une petite rainbow, je dirais pas non. Une petite Snorlax Gold qui serait la grosse chase card, je dirais pas non non plus. Donc, prochaine Energy,
Raboot, Scroll of the Sky, Fog Crystal, Swirlix, Lapras, Deerling, Galarian Snowpoke, ouh, ça l'a levé, Koffing, Reverse Holo, Volcarona et Zengoose. Et le prochain. En gros, la grosse chase card en ce moment que les gens essaient de déballer, ça semble être vraiment le Snorlax Gold. J'ai vu des posts Facebook qui vendent la carte genre à 180-200$ pour ceux qui l'ont déjà trouvé. Donc, on a notre petite Energy, Fluffy, Path to the Peak, Lydian, Yamask, Koffing, Choupette, Squovette, je savais pas trop comment le dire, Sfeel, Reverse Holo Zangoose, et ouh, Clara Rainbow, let's go! Let's go, let's go, let's go! Celle-là, on est down avec. Grosse carte, les boys! Let's go! On va la mettre dans un top loader. On va faire un petit recap à la fin du vidéo de qu'est-ce qu'on a, on a pogné, là. Donc, trois derniers paquets! Bon, ben, déjà, très content de la dernière, honnêtement. Un petit Snorlax Gold, puis on serait parfait. Energy, Avery, Fluffy, Hunter, Koffing, Choupette, Swovette, Sfeel, hey, ces cartes-là, ils collent. Swirlix, Grookie, et Banette. Pas de pic ici. Deux paquets. Les deux petits derniers ici, ça dépasse. Donc, lequel en premier? Je file celle-là. On y va avec lui. Il y a pas juste le Snorlax, il y a quand même aussi d'autres bonnes cartes là. Je veux les trois oiseaux, ça c'est sûr. Donc, on va mettre ça de côté. Let's go. Avant-dernier paquet. Energy. All Symmetry. Raboot. De les tenir un petit peu pour tête. Agatha, Lapresta, Glisse petite carte, Sobble, Cidiba, Swolvede, Crabrawler, Thundurus Reversal Low et Subbox. No pick on that one. Dernier paquet pour notre Elite Box. On a encore un autre qu'on va probablement ouvrir plus tard. Mais quand même. Ça nous prend plus de pics que ça. On a eu une belle rainbow. Ça, c'est sûr qu'on est. C'est toujours intéressant d'avoir ces rainbows-là. Ils sont quand même rares. J'ai tellement pas été chanceux dans mes rainbows. Donc, dernière pour aujourd'hui. Energy. Kirlia. Brawly. Steelio. Yamask. Snorunt. Boonsweet. Kubfu, Inkay, Kirlia et ouh, Blaziken VMAX, let's go! Beau petit pic ça aussi! Super, on va demander à notre assistante de t'uploader et on va faire un petit recap. Donc ça, on va mettre ça de côté. Donc pour notre Elite Box, 4 petits picks. Première, Weavile Holo, Zaroud Holo, Clara ici en Full Art Rainbow, vraiment nice, et Blaziken en VMAX. Donc c'est tout pour mon ouverture de mon premier Elite Box, merci tout le monde. Si vous avez des chase cards ou des commentaires sur Règne de Glace aka Chilling Rain, juste à commenter dans la section commentaires de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace!